Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à tous. Le micro, c'est qu'il a dit. Mais toi, on travaille à des périodes données, des différentes périodes. Parce que vous voyez maintenant, Dieu, depuis la création jusqu'à Habacouc, donc l'Ancien Testament, la Bible, c'est Dieu lui-même qui a parlé. Mais quand il est dans l'ombre là-bas, permettez-moi de dire dans l'ombre, l'esprit Allez-y, là-bas, il n'y a pas de problème. mais toi travaillais bien sûr, mais à la tête Dieu. Dieu suprême envoyait même Jésus par esprit, pas la chair. Vous voyez, maintenant, lorsque Jésus-Christ, Dieu est, qui s'est fait chair, la parole qui s'est fait chair, est arrivé maintenant, qui est le Fils de Dieu, lui, il a pris, il a commencé par travailler en tant que Jésus, Dieu chair. Juste à finir les quatre évangiles. Après les quatre évangiles, lui, il est parti et maintenant Dieu, le Saint-Esprit, a pris maintenant la place pour travailler au niveau des actes des apôtres jusqu'à nos jours. Ok. Et maintenant, aujourd'hui, dans le temps, séparément, aujourd'hui, les deux, les trois sont ensemble. Ok. D'accord. Les trois sont ensemble maintenant. D'accord. Donc, maintenant, ce que moi j'aimerais savoir, Oui. le Dieu créateur des cieux et de la terre, Oui. est-ce que c'est Jésus ou bien c'est pas Jésus? C'est Jésus. Bon, si vous le dites, c'est au moment où Marie a péché, pas Marie, Adam, Ève a péché. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit que toi, femme, non, que le serpent va te mordre le talon, hein, et toi, femme, tu vas briser sa tête. Ça veut dire que il y aura quelqu'un qui sera né de la femme qui va contredire ce que Satan est en train de faire. Donc, il y aura une bataille. Donc, qui est la naissance de Jésus-Christ qui va sortir d'une femme. Est-ce que vous voyez maintenant? Bon, D'accord. maintenant, vous allez voir. Lorsque Jésus va arriver, il n'y a aucun homme qui a couché avec Marie. Je suis d'accord. Donc, on a épargné complètement l'homme de ce jeu-là. Je suis d'accord. Comme Dieu a dit qu'il va faire que une descendante va sortir de la femme. C'est pourquoi il a souffert dans la femme pour produire la grossesse de Jésus. Et D'accord. effectivement, c'est sorti de là. D'accord. Maintenant, Marie là, elle est la mère de Jésus, mais elle n'est pas la mère de Jésus. Là, si nous voulons affirmer La mère de directement, Jésus. Marie, quoi? c'est la mère de Elle est Jésus. la mère de Jésus. Oui, Et Jésus est Dieu, non? Jésus oui, est bon, Dieu. Jésus est Dieu. Donc, Marie est la mère de Dieu, alors. Donc, ça veut dire que Dieu. Non, tu ne vois pas là où il va maintenant. Non, je veux Non. juste savoir, selon votre raisonnement, c'est pourquoi moi, je suis pas ce que je veux. Moi, je suis ce que vous dites. D'accord? Elle dit, Jésus est Dieu. On est d'accord? Ou Bon, bien? disons, Marie est la mère de Dieu à cette époque-là. D'accord. Donc, ce que je dis, à Voilà. une époque. À cette époque-là. Un point clair, c'est fini. Donc, ce que j'ai dit, Oui. à une époque donnée, Dieu a une mère. On est d'accord. Bon, oui. Non, allez-y D'accord. seulement, allez-y. OK. Maintenant, dans le verset de Matthieu 2, là, Matthieu 2 qu'on était en train de lire, là, le Dieu qui a envoyé l'ange, là, c'est Jésus, non? Ou Oui, bien, c'est Jésus. il meurt, Dieu le Père meurt, mais il est immortel. Dieu, il est immortel. Et Dieu le Fils, là. Dieu, Il est il est immortel. immortel aussi. Il est Il est immortel. immortel. Donc, Parce qu'il vit, on n'est pas venu. Non, On n'est Jésus. pas venu là. Non, Jésus est non, il n'est ressuscité. pas. Voilà, Je viens. on n'a pas Il est parlé. ressuscité. Oui. Donc, immortel veut dire celui qui ressuscite. C'est ça. Parce que Jésus. Non, attends. Immortel veut dire quoi Immortel, d'abord? là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vit pour toujours. Il vit pour toujours, non? Immortel. Est-ce que immortel veut dire celui qui meurt et qui ressuscite? Est-ce que Jésus a donné pour passer à, Non. Est-ce que immortel, là, veut dire mourir et ressusciter? Immortel. Immortel. Si on dit, est-ce que. Juste là, demander Je quoi? veux juste Il m'a savoir quoi. demandé Jésus. Attends. Est-ce que immortel, Non, là. non, immortel ne veut pas dire mourir et ressusciter. Donc. Un Dieu qui meurt, ça n'est pas un vrai Dieu. Ça ne peut... Un Dieu qui meurt, ça n'est pas un vrai Dieu. Ça ne peut pas être un vrai Dieu. La mort, c'est quelque chose de trop humain. Si Jésus meurt sur la croix, alors il ne peut pas être Dieu. Si Jésus meurt sur la croix, alors il ne peut pas être Dieu. Comment comprendre que le Dieu Tout-Puissant s'abaisse jusqu'à cette médiocrité, jusqu'à cette défaite qu'est la mort?